tout le monde, Kossam pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, thématique un petit peu différente parce que je me suis rendu compte que ça fait plus d'un an que j'ai pas vlogué. Un an, j'ai pas fait de vlog environ et la raison est simple. J'aime pas ça. J'aime pas ça faire des vlogs en général parce que j'ai pas une vie exaltante comme tous les vlogs que vous voyez sur YouTube. J'ai pas un yacht, je voyage pas à tous les jours, j'ai pas une Lamborghini à vous montrer. J'ai des belles choses, j'ai du beau matériel, j'ai une belle vie. Mais j'ai peut-être pas la vie la plus excitante et pour moi ça m'arrange totalement. J'ai une belle petite famille, j'ai des beaux petits animaux, j'ai une belle petite maison et je suis très heureux avec ce que j'ai. C'est pour ça que je fais le plus souvent des vidéos dans mon environnement de travail, dans mon petit bureau à la maison. Parce qu'aujourd'hui c'est un vlog mise à jour, ce qui veut dire que je fais une petite mise à jour avec vous sur ma vie pour que vous puissiez peut-être relate, peut-être que vous allez pouvoir vous reconnaître un petit peu dans ma vie, peut-être que ça peut vous donner aussi des idées. Parce que moi, on va faire une mise à jour sur ma vie professionnelle et sur ma vie personnelle aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau autant de ma vie de couple que sur aussi ma shape. Qu'est-ce qui se passe avec ma shape en ce moment? Donc ce matin, je suis en train de faire quelques rénovations dans la maison. On essaie de faire de la peinture un petit peu parce que, bon, on veut rénover, on veut rendre ça beau, mais on n'est pas sûr si on déménage pas très prochainement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens du Québec qui m'écoutent au niveau de mes vidéos, mais il y a beaucoup de gens de la France aussi qui me suivent de plus en plus. Très heureux de vous avoir avec moi, même si j'ai un esti d'accent de merde. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, je suis du Québec. Je suis dans la rive nord de Montréal, donc j'habite proche de Montréal, si vous connaissez un petit peu. Et pour vous en ce moment, je ne sais pas s'il fait beau et chaud chez vous. Chez nous, on est en avril et on a une deuxième crise du verglas ou je sais pas quoi. On a encore de la neige, on n'a pas eu de courant depuis pratiquement 36 heures. Ça vient de revenir ce matin, donc on peut recommencer la vie normale. Mais vous pouvez voir un petit peu que c'est le bordel ici. On fait des rénovations. Si vous n'avez pas rencontré encore Benchy, qui est mon petit bulldog français ici, qui est complètement folle qu'en ce moment, on va la laisser tranquille, c'est pas rien qu'elle est tranquille. Donc, c'est ma petite maison pour l'instant et comme je disais, on regarde activement pour trouver autre chose. J'ai aussi mon tableau préféré qui n'a pas changé depuis 2 ans. Donc, c'est ce qu'il y en a pour la maison. Et comme on disait, on commence à rechercher peut-être une autre maison. Plus dans le nord encore. Donc, peut-être plus un petit peu dans les bois. Parce que moi, je travaille à la maison. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas. Et ça serait plus proche du travail à ma blonde qui est coiffeuse. Qui m'aide aussi avec Projet Physique, avec mon entreprise. Mais qui surtout est coiffeuse à la base. Donc, je sais que là, je parle de ma job, je parle de qu'est-ce que je fais dans la vie. Peut-être que de votre côté, vous savez pas encore ce que je fais dans la vie. Et en passant, j'essaie de rendre ça intéressant en ce moment en me promenant un petit peu partout, en faisant comme si j'avais plein de déplacements. Je pourrais aussi m'asseoir sur mon lit, mais on va rendre ça interactif un petit peu, hein? Pour ceux qui savent pas ce que je fais, peut-être que vous me suivez sur Instagram et que vous voyez un petit peu qu'est-ce que je fais dans la vie. Je suis un coach, donc je suis un entraîneur. À la base, qui fait des formations au niveau du Québec. Je sais qu'on n'a peut-être pas les mêmes certifications au niveau de l'Europe et au niveau du Québec. Au Québec, c'est très, très peu sévère. Dans le sens que n'importe qui peut être coach ici. Par contre, de mon côté, j'ai voulu faire des certifications, avoir au moins les accréditations pour prouver et avoir de l'expérience, évidemment, aussi. Donc, j'ai été coach dans un gym pendant plusieurs années. Et à un moment donné, je me suis dit, peut-être que je veux plus. Peut-être que je veux arrêter d'échanger du temps contre de l'argent. Et peut-être que j'ai envie, bon, oui, de faire plus d'argent, mais aussi de pouvoir aider plus de personnes et de me dire, hey, on est à l'époque, on était en 2015-2016, on est dans l'ère numérique, pourquoi pas créer une entreprise en ligne? Et c'est là que j'ai créé Projet Physique, qui est une entreprise de coaching à distance. Donc, c'est là que j'ai créé les premiers programmes en ligne, notre site web, nos réseaux sociaux, mon YouTube que j'utilisais pas beaucoup, que maintenant je sais un petit peu plus, mais c'est là que je me suis vraiment lancé dans l'univers web. J'ai appris beaucoup le marketing web et j'ai appris plusieurs autres techniques aussi qui ont fait que, en ce moment, on a généré près de 500 000 $ en vente dans les 3 dernières années. L'entreprise va super bien. On est heureux. J'ai 4 employés qui travaillent pour Projet Physique en ce moment et l'objectif, c'est de continuer sur cette lancée. Donc, on va revenir au niveau business un petit peu plus tard parce qu'en ce moment, j'ai envie de vous parler niveau shape. Niveau shape, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus l'air de ça. On en a parlé dans notre vidéo un petit peu. J'ai lâché les stéroïdes il y a plusieurs années quand même. Donc, j'ai plus nécessairement cette qualité musculaire-là d'avoir les épaules, les veines partout. En ce moment, j'étais en perte de gras. Donc, j'ai passé peut-être là un 6 semaines environ à prendre la masse musculaire. Donc, à travailler avec plus de calories, à m'entraîner fort aussi. Mais c'est certain que j'aurais plus l'air de ça parce que oui,
Il y a des gens qui vont dire, ah, c'est pas tant que ça. C'est une qualité musculaire qui est vraiment très facilement atteignable. Pas facilement atteignable, mais qui est vraiment plus propice à être atteint avec des stéroïdes. Des épaules comme ça, c'est très difficile à obtenir de façon naturelle et j'en suis totalement conscient. Et aujourd'hui, je suis dans un mode de vie plus sain et équilibré. Parce que c'est plus juste pour moi une question de shape, c'est une question aussi de psychologie et de mental. À cette époque-là, j'étais beaucoup plus fatigué, beaucoup plus à fleur de peau, j'étais beaucoup plus en colère. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus de bonne humeur, je suis beaucoup plus motivé et je suis beaucoup plus clair dans mes idées aussi et j'en ai besoin pour travailler aussi fort. Donc en ce moment, on va aller devant le miroir un peu, no shame. Je suis en perte de gras pour le moment, donc on peut voir encore que j'ai un petit peu les abdos. Évidemment, j'ai du gras à perdre sur les côtés de chaque côté. Donc en ce moment, je suis à 180 livres environ, donc c'est certain que j'ai du gras à perdre. Au moins, on voit encore les détails. Bon, là, on voit un petit peu au niveau du triceps. C'est certain que j'ai du gras à perdre et de la rétention d'eau qui, moi, est toujours mon problème avant de pouvoir atteindre un physique très, très lean. L'été s'en vient chez nous très prochainement, donc j'ai envie de mettre en condition pour cette période-là. Le problème tout le temps, pour ceux qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, c'est d'être en couple. Être en couple, c'est vraiment difficile, surtout que j'ai une conjointe qui est ectomorphe. Ectomorphe, elle ne prend pas du gras facilement et c'est moins fois 10. Ce qui veut dire qu'elle peut manger du sucre, peut aller manger du popcorn, des chips à tous les jours et ne prendra jamais une once de gras. Au contraire, elle perd du poids. De mon côté, je commence à vieillir. De plus en plus que j'en mange, de plus en plus que je me rends compte que j'ai peut-être pu le faciliter comme j'en avais à l'époque, donc je dois faire plus attention. Donc en ce moment, pour être capable de manger un petit peu plus différemment, ce que je fais, c'est que je vais faire du jeûne intermittent. Donc je vais faire une autre vidéo pour vous en parler un petit peu plus, mais ce que je fais en ce moment pour être capable de coter plus rapidement, de perdre du gras, c'est que je fais du jeûne intermittent, pas à tous les jours, mais puisque je le sais que je mange plus souvent, varié, que je vais souvent au restaurant vu que je suis en couple et que je vais quand même manger du dessert plus que je l'aurais fait à l'époque aussi. J'ai besoin de limiter mes calories dans la journée. Donc le matin, je vais commencer à manger seulement à l'entour de midi. Donc je vais jeûner jusqu'à midi et je vais manger ensuite mes calories de la journée jusqu'à environ 8-9 heures le soir et ensuite j'arrête jusqu'au lendemain. Je le fais pas tous les jours parce qu'évidemment c'est le fun aussi de pouvoir déjeuner en couple, de pouvoir se lever ensemble et de pouvoir déjeuner, mais j'essaie le plus possible de suivre ce mode de vie-là en ce moment pour être capable de perdre du gras, mais aussi pour être plus focus le matin. La nourriture, c'est excellent, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour vos muscles, mais aussitôt qu'on apporte quelque chose qui a un impact sur votre glycémie, c'est là que vous vous sentez plus fatigué, que vous perdez le focus, que vous perdez la concentration. Donc de mon côté, vu que je travaille tout le temps sur l'ordinateur, j'ai besoin d'avoir une concentration parfaite, et c'est ce que je vais vous montrer ensuite, tous les projets qu'on a en ce moment, j'ai besoin d'être alerte. Donc de jeûner, pour moi, ça m'aide beaucoup. Donc en ce moment, perte de gras, aucun cardio de mon côté, à part peut-être des fois un petit 15 minutes le matin, surtout pour me réveiller. Douche froide, comme que j'ai déjà montré dans une autre vidéo, qui peut aider la thermogénie aussi. Entraînement musculaire, 1 heure et demie environ, 4 à 6 fois par semaine habituellement. Bon, on tourne autour de 5 fois environ. Toujours en hypertrophie, mais en rajoutant peut-être une journée de déload, donc avec des très hautes répétitions, 15-20 répétitions par série environ, pour être certain de brûler le plus possible de glycogène musculaire, pour être capable ensuite de faire des journées plus hautes en glucides qui vont être bonnes pour moi. J'oublie aussi de vous présenter quelqu'un d'autre, on a Mademoiselle Abby ici. Abby, bonjour. En ce moment, j'essaie de me faire pousser la barbe un peu. J'ai ma blonde qui essaie tout le temps de me dire qu'elle aime ça, que je me fasse pousser la barbe. De mon côté, en ce moment, je sais pas si j'apprécie. Ça commence à piquer, honnêtement. Donc, je laisse pousser le plus possible pour essayer d'être cute. D'être cute un petit peu. Donc, maintenant, on continue vers une petite mise à jour sur le côté business. Donc, qu'est-ce que je fais en ce moment dans la vie? C'est quoi les projets qui s'en viennent? De mon côté, j'ai un tableau très précis qui me dit exactement où est-ce que je m'en vais en ce moment. Je suis quelqu'un qui regarde plus mes objectifs à court terme. Donc en ce moment, j'ai des objectifs pour l'année 2019. Donc comme vous pouvez voir, tout est autour de projets physiques en ce moment. Et tous les autres, ce sont des projets que j'ai en ce moment. Donc vous pouvez voir aussi que j'ai des petits goals personnels ici. Et j'ai venir vous voir, les amis, en France. Voyager en France est un de mes objectifs personnels de 2019. Donc je vais vous mettre rapidement
ici pour être sûr que vous puissiez bien voir. Je sais pas si vous allez bien voir le tableau, mais je vais essayer le plus possible de vous expliquer quand même. En ce moment, au niveau du mois d'avril qu'on est en ce moment, avril 2019, on rouvre un gym privé très bientôt. Comme je vous ai expliqué de notre côté, on est une entreprise qui est en ligne, donc on entraîne des gens à distance grâce à notre application privée. Donc on a une application mobile qui donne des workouts à chaque mois, mais qu'on peut aussi donner des workouts personnalisés à l'intérieur avec des vidéos, avec un plan alimentaire interactif. Avec, on a travaillé très très fort pour avoir l'application mobile qui était super interactive. Donc, mais on voulait aussi pouvoir répondre à la demande des gens qui voulaient s'entraîner avec notre équipe en personne. Donc si on regarde ici au niveau du gym privé, on rouvre un gym privé dans les jours qui viennent pour être capable de recevoir nos clients avec nous. Qu'est-ce qu'on fait beaucoup avec Code Physique? Qu'est-ce que je peux peut-être vous recommander aussi pour vos carrières en même temps? C'est de toujours viser d'avoir plusieurs différentes sources de revenus. Donc, si on regarde en ce moment au niveau de Code Physique, c'est une entreprise de coaching. Donc, je pourrais m'arrêter à uniquement vouloir donner des programmes d'entraînement et alimentaire à des clients. Mais il y a tellement d'autres façons de diversifier vos revenus et d'aller encore plus aider vos clients ou aller chez d'autres sortes de clients aussi. Donc, comme vous pouvez voir ici, on va revenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Projet Physique, on peut aller faire des revenus aussi en ce moment avec les suppléments. Donc, on vend des suppléments d'une autre compagnie qui vont nous donner jusqu'à 30% de bénéfices. On fait environ un 40 à 50 000 de ventes supplémentaires seulement grâce avec les suppléments. Comme vous savez, j'ai déjà parlé au niveau des SARMS. Nous avons une affiliation avec la compagnie ProSARMS aussi, où est-ce qu'on touche des commissions à chaque fois. On vient de conclure notre entente avec JetNerd pour avoir la vente de leurs produits où est-ce qu'on va faire 45% de profit sur la vente de leurs vêtements. On est en train de travailler notre portion anglaise également aussi pour pouvoir viser le marché anglophone. On travaille très très fort sur notre expansion au niveau français, donc on a plusieurs travails à faire au niveau du Québec, mais on va aussi faire notre expansion en France. On parlait du gym privé tantôt aussi qui s'en est très prochainement. On fait de l'affiliation grâce à nos membres qui sont déjà clients chez nous, qui veulent aussi nous recommander à leurs amis. Et ce qu'on travaille en ce moment, qui est un très très gros module qu'on travaille, c'est un module de formation pour les coachs. Donc peut-être que vous pourrez en bénéficier vous aussi, que vous soyez au Québec ou en France. L'objectif avec ça, c'est de pouvoir fournir toutes les connaissances, tout le savoir, toutes les techniques qu'on a utilisées chez Projet Physique dans les dernières années et qu'on va pouvoir vous montrer ça à vous aussi. Donc, c'est pas juste de vous aider à devenir un coach, donc d'apprendre la nutrition, l'entraînement. Ce sera également des modules et une formation complète uniquement sur le marketing web. Sur comment justement aller trouver d'autres compagnies pour pouvoir vendre leurs produits qu'on appelle du dropshipping. Comment faire de l'affiliation. Comment faire du email marketing. Donc, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on donne vraiment une formation qui est notre modèle d'affaires de A à Z. Donc, comment faire qu'est-ce que nous, on a fait dans les dernières années pour avoir autant que c'est pour générer, comme j'ai dit, jusqu'à 500 000 $ de vente. Mais comment vous pourriez peut-être faire ça vous aussi avec votre entreprise, que ce soit en coaching ou que ce soit autre chose aussi. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, je voulais vous faire une petite mise à jour aujourd'hui sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Comme vous pouvez voir, j'ai pas de gros bateau, j'ai pas. Ce qui se passe en ce moment, c'est que on bâtit notre entreprise très très fort, on travaille fort sur vous offrir du contenu comme ça. Je dis on parce qu'il y a moi qui s'en occupe beaucoup, mais il y a mes employés, mes collègues aussi qui le font beaucoup aussi. Donc on veut vous aider en vous donnant du contenu, c'est certain, en vous éduquant le plus possible. On crée aussi des formations pour faire ça, pour pouvoir continuer d'éduquer d'autres sortes de personnes aussi. Et de l'autre côté, il y a ma petite vie familiale qui se développe de plus en plus. On veut un enfant dans les prochaines années. On veut se marier dans les prochaines années. On veut notre maison dans très, très, très bientôt. Donc, on travaille fort pour être sûr de pouvoir avoir la plus belle vie possible. Et c'est souvent ça qui, pour moi, on se compare tellement au quotidien, à tellement de personnes sur Instagram qu'on veut, on veut toutes les femmes, on veut tous les gros bijoux, on veut les grosses voitures, on veut. Mais c'est de savoir c'est quoi qui vous rend heureux pour vous. Et moi, je sais que je suis quelqu'un de familial. Je suis quelqu'un avec des valeurs familiales depuis que je suis jeune. Donc, pour moi, ce qui est important en ce moment, oui, on va voyager. Oui, on voyage 2, 3, 4 fois par année. Et pour nous, c'est super intéressant de le faire. Mais en ce moment, ce qu'on veut surtout, c'est bâtir une belle vie. Faire des beaux revenus, c'est certain, mais en aidant un maximum de personnes, en donnant de la valeur aux gens. J'ai envie de donner au maximum pour évidemment recevoir en échange. Mais ce qu'on veut surtout en ce moment, c'est se bâtir
une belle petite famille et pouvoir vous la présenter dans les prochaines années, c'est certain aussi. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. C'est un petit peu différent. Dites-moi si vous voulez en voir plus, peut-être comme ça aussi. C'est vrai que l'été s'en vient, donc mon 3 roues, je vais le sortir très bientôt. Ma Batmobile, pour ceux qui l'ont jamais vu, je vais la sortir aussi. Beaucoup plus d'activités qui vont se passer, évidemment, cet été que je vais pouvoir vous montrer. Mais sinon, on va continuer à faire le plus possible des vidéos de bureau pour vous éduquer. Écrivez-moi dans les commentaires les vidéos que vous aimeriez voir prochainement parce que je travaille pour vous. Mon objectif, c'est pas de faire des vidéos pour moi, c'est de pouvoir vous donner le maximum de contenu à vous. Donc, écrivez-moi dans les commentaires et faites sûr de liker la vidéo pour m'aider à avoir encore plus de personnes à aider, évidemment, aussi. Et cliquez sur le petit bouton subscribe pour être sûr de voir mes vidéos dans le futur aussi. On se voit très bientôt, guys. Merci beaucoup. À la prochaine. Yeah.